Venez, venez, mesdames et messieurs, entrez pour voir mes belles histoires. Venez, venez, les petits et les grands, ouvrez les yeux tout grands. Il y a du mystère, des farces et des secrets, de la tendresse, des rires et des câlins. Avec les rêves, on va comme de rien dans les pays lointains. Venez, venez, mesdames et messieurs, entrez pour voir mes belles histoires. Venez, venez, les petits et les grands, ouvrez les yeux tout grands. Un samedi matin, le papa de Louise et d'Hélène leur annonce que le médecin va venir à la maison. Mais on n'est pas malade ? Non, c'est leur maman qui est au lit. C'est bien la première fois qu'elle est malade. Comment c'est une maman malade ? Pauvre maman, elle est toute rouge. Et chaude, chaude, comme un four. La maman dit à Hélène : Je te fais seulement un baiser sur la main pour que tu n'attrapes pas mes vilains microbes. Hélène regarde partout, mais elle ne voit pas les microbes. On ne les voit pas, dit la maman. Ils sont bien trop petits. Mais si tu t'approches de moi, ils peuvent te rendre malade aussi. Hélène est triste. Elle est jalouse des microbes. Le papa dit à Louise, il faut que j'aille travailler. Je vais vous emmener chez mamie. Mais Louise répond qu'elle est assez grande pour s'occuper de tout. De la maison, du chien, du chat et de sa petite sœur, et qu'elle doit rester pour soigner sa maman. Ah, le docteur. Maman a une grosse angine. Avant de partir travailler, le papa explique aux filles tout ce qu'elles doivent faire et au moins deux ou trois fois ce qu'elles ne doivent pas faire. Hélène voudrait dire à sa maman comme elle a tout bien nettoyé. Mais sa maman dort. Dommage. Tu sais ce que tu as fait ? T'as pas fermé le robinet ? Maintenant, il y a de l'eau partout. Va dans ta chambre et sois sage. Mais derrière cette porte, il y a le plus bel endroit de la maison, la salle de bain des parents. Ça ne part pas très bien. Tant pis. Oh, c'est pas vrai! Tu ne fais que des bêtises! Tiens, c'est papa qui téléphone pour savoir si tout va bien. Oui, oui, tout va bien. Les filles préparent une tisane pour leur maman et un dîner formidable pour leur papa. Elles sortent du congélateur le saumon, les glaces, toutes les bonnes choses. Elles mettent une belle nappe. Et ça ressemble à Noël. Quand leur papa rentre, il est très content et fier de ses filles. Louise regarde Hélène sévèrement, mais elle ne raconte pas les bêtises. Le lendemain, c'est dimanche, Louise part en vélo avec ses copines. Hélène veut tout faire avec son papa. La vaisselle. Le marché. La cuisine. Son papa lui dit, va donc jouer dehors. Mais justement, ce qu'elle aime, c'est faire les courses, la cuisine, le ménage. Le soir, le papa est épuisé. Heureusement, la maman va beaucoup mieux. Elle demande si le chat et le chien ont eu à manger. Oh là là ! Louise, Hélène et leur papa les ont complètement oubliés. Lundi matin, la maman se lève, le papa va travailler. Mais les deux filles sont toutes rouges et chaudes, chaudes comme un four. Allô, docteur ? Hélène et Louise vont se coucher dans le grand lit de leurs parents. Et elles y sont très, très bien.